Exagère, Suzanne. Bébé, j'ai encore fait. Je t'ai demandé de changer cette attitude. C'est mon mariage que je protège. Exagère, Suzanne. Elle va aller dehors chercher sa part de mariage. Mais quand elle est dans ma maison, elle est musulmane. Oh, musulmane s'habille comme ça. Est-ce qu'elle est mal habillée? Elle est mal habillée, chérie. N'écoute pas ce que mon mari dit. Hein. Tu t'habilles comme ça, hein. Que ce monsieur que je vois devant nous baraquer va venir travailler chez nous? Oui, chérie. Tu t'habilles comme ça dans ma maison dorénavant. Elle aime les rastas. Cache ça bien. Ça, c'est quoi ça même? Hein? Tu connais comment les musulmans s'habillent? Tu connais? Madame. Vous allez aller vous documenter comment les musulmans s'habillent. C'est comme ça que vous allez vous habiller dorénavant dans ma maison. Vous allez vous laver une fois en deux semaines. Je ne veux pas que vous sentiez votre temps. Quand vous lavez, vous n'allez pas vous poindre. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas que mon mari sent le flair de votre lait de toilette, comment ça sent bon. Vous avez compris? Madame. Il ne doit rien humer de ce genre. Vous habillez comme ça. La vie, si vous allez rester ça, deux semaines sans changer, vous avez compris? Regardez comment elle a des jolies lèvres. Cachez-moi ça. Hein? Les musulmans s'habillent comme ils cachent même les yeux. Hein? Hein? On vous a demandé de venir brûler mon mari. Hein? Vous allez cacher ça comme ça. Hein? Bonjour, chérie. Vous allez continuer à laver. Suzanne, c'est comment? Bonsoir, chérie. Bonne arrivée. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mon soin n'est pas bon. Si vous auriez vu ce que j'ai vu en arrivant dans cette maison. C'était la catastrophe! Et c'est qui? La nouvelle ménagère! Et c'est une musulmane ou elle va au pèlerinage? Non, chérie, dans cette maison, elle est musulmane. Quand elle met le pied dans cette maison. Suzanne, attends, je veux comprendre. C'est quel accoutrement ça? Les musulmans s'habillent comme ça, chérie. Et tu veux dire, si je comprends bien, tu veux dire qu'elle est venue dans notre maison avec cet accoutrement? Chérie, ce que j'ai vu dans cette maison, Suzanne, en entrant, si vous auriez dû voir ça, chérie, moi j'ai fait des musulmans. Suzanne, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois. Tu exagères avec tes scènes de jalousie. Tu exagères. Ta jalousie va t'amener à une autre dimension, Suzanne. Moi, je veux comprendre. Ça veut dire que cette jeune fille, tu n'as pas répondu à ma question. Ça veut dire que cette jeune fille, elle était accoutrée comme ça quand elle vient d'entrer dans notre maison. Je veux que tu essaies de m'expliquer ça, Suzanne. Parce que là, on ne voit même pas sa bouche. Là, c'est comme si elle a. Non, chérie, les musulmans s'habillent comme ça. Non, les musulmans s'habillent comme ça. Suzanne. On en a déjà parlé, c'est non. Chérie, écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi chérie. Je ne veux pas qu'elle vienne ici te séduire. Parce que ce que j'ai vu en entrant dans cette maison, c'était une femme qui est venue séduire mon mari. Et je n'accepte pas ça. Tant qu'elle est dans ma maison, elle s'habille comme ça. Parce qu'elle m'a plu. Si elle me plaît, elle a les jolies pommes, elle va vous plaire, elle va te plaire également. Ça c'est une logique. Suzanne. On en a parlé là de cette histoire. Je t'ai dit, bébé, je t'ai dit que j'ai changé. Je ne suis plus cette personne qui courait derrière les jupons des femmes. Est-ce que tu en as besoin d'en arriver? Là, tu es une jeune petite fille. À peine, je pense qu'elle a 17 ans. Est-ce que tu peux te permettre, Suzanne, tu as des filles. Est-ce que c'est logique quand tu regardes cet accoutrement? Mais chérie, tu as besoin de la connaître sur ce visage. C'est mieux pour nous. C'est mieux pour tout le monde. Je connais les hommes mieux que moi-même. Chérie. Tu exagères, Suzanne. Bébé, j'ai encore fait. Je t'ai demandé de changer cette attitude. C'est mon mariage que je protège. Exagères, Suzanne. Elle va aller dehors chercher sa part de mariage. Mais quand elle est dans ma maison, elle est musulmane. Oh, les musulmans s'habillent comme ça. Est-ce qu'elle est mal habillée? Elle est mal habillée, chérie. N'écoute pas ce que mon mari dit. Hein. Tu t'habilles comme ça. Hein. Lave le sol. Si je veux, quand je sors de la chambre, que je trouve que le sol c'est déjà propre. Quand je parle, on m'écoute. Hein. On dit que oui, madame, quand je parle, on m'écoute. De toutes les façons, je reviens. Tu fais le rep. Tu ne connais même pas à qui tu as fait. Tu vas regretter d'être entré dans cette maison. Tu es venu gâter mon mariage, non? Tu vas voir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonne arrivée. Mmh. C'est comment? Ça va. Mais tu m'as appelé du genre, viens pour rien. Pardon, assieds-toi d'abord. C'est grave. Mais comment tu peux me faire ça? Parmi toutes les ménagères qu'il y a dans le monde entier. Tu n'as que vu l'éclat, ça que tu vas envoyer dans ma maison voler mon mariage. Qu'est-ce que tu montes quelque chose dans mon dos? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, est-ce qu'il y a un problème là de ce? La ménagère que j'ai regardée, je me suis rassuré que c'est une bonne travailleuse. Je ne vois pas pourquoi tu trouves un problème à ce niveau-là. Dès que je vois, c'est justement une bonne travailleuse. Tu peux imaginer ce que j'ai trouvé en arrivant dans ma maison? Les fesses dehors, les seins dehors, les lèvres sexy.
Ça, c'est pour séduire mon mari. Mais grande soeur, vraiment, à cette allure-là, tu vas finir par ne pas avoir de ménager chez toi. Parce que vraiment, tu vas seulement t'entendre avec elle. Je préserve mon mariage et rien d'autre. Mon mariage, c'est mon mariage. Je ne veux pas que mon mariage soit gâté parce que j'ai été négligente sur ce point-là. Mais grand soeur, tu ne veux pas savoir dans quel trou je suis allé chercher la fille là. Non, il faut la remettre. Non, c'est une grande travailleuse. J'ai vraiment apprécié son travail là où elle était avant qu'elle ne vienne ici. Et là-bas même, on l'a apprécié. Elle est partie seulement faute d'argent avant d'arriver ici. Ça m'étonne comment tu me dis que tu ne t'en sors pas avec elle. Je ne veux pas les tisas dans ma maison. Un point, c'est tout. Mais est-ce que déjà tu peux vraiment empêcher ton mari vraiment de s'il veut faire un truc? Justement, on n'empêche pas. Mais si c'est à la maison, c'est encore pire. Si c'est moi qui suis à l'origine, c'est encore pire. Mieux il part dehors chercher lui-même. Grande sœur, je vois là où il y a le problème. Tu te dis, tu ne peux pas changer. Chaque jour, les problèmes de ménager. Tu vas finir par ne pas avoir de ménager chez toi. Tu ne peux pas faire un mois avec une ménagère. Chaque jour, tu vas partir. Trésor. Hein? Voilà ce que je disais. Tout à l'heure, j'ai demandé que les rastas comme ça doivent être cachés. La bouche des jolies et de cela. Donc, ton plan, tu joues ton plan que dans mon plan et tu as arrangé avec mon frère. Doucement, ça c'est la fille de quelqu'un. Comment tu l'habilles? Elle va travailler comment? Avec le chauffeur qui est ici à l'intérieur. Elle va cuire. Si mon mari doit boire les fesses, les seins, les fesses, les jolies lèvres dans la maison, si. C'est pour moi et pour moi seul. Je ne permets pas qu'une autre femme soit ma rivale devant moi et dans ma maison en plus. Mais grande soeur, vraiment, tu regardes comment elle est habillée. Il y a le chauffage ici. Elle va brûler dans ce genre d'accoutrement-ci. Elle est musulmane. Non, elle est musulmane. Non, ça, c'est vraiment grave. Je ne peux pas tolérer. Tu vas salir ma réputation dehors. Dehors, on va dire que je suis allé chercher l'enfant du truc pour qu'elle vienne travailler comme ça. Ça va. Non, ça mais les musulmans s'habillent comme ça. Elle est musulmane dans ça ma maison. Pas, ça ne donne pas. Non, ça ne donne pas. Mieux vaut jouer. Trésor, si vraiment tu es mal à l'aise, on n'a qu'à partir. Tu peux te chercher ailleurs. Je ne peux pas accepter, malgré que c'est ma grande soeur, je ne peux pas accepter que tu travailles dans l'état-ci. Si tu vois que tu ne dois pas respecter mes règles dans ma maison, tu vois que ça ne t'arrange pas. Tu n'as qu'à partir, je n'ai pas de problème. Vraiment, grande soeur, vraiment, là je préfère parce que ce n'est pas la première fois que tu cherches une ménagère. Et je crois que vraiment cette fois-ci, il faut qu'on arrête là. Je ne peux pas aller chercher la fille de quelqu'un dans les bas-fonds. Pour venir que tu regardes comment elle est habillée. Okay. Regarde comment elle est habillée. Partez, laisse-moi de la musique sur toi. Tu prends bon. C'est bon, mais grâce à vraiment, je ne peux pas. Non, c'est mon mariage. D'accord. Je préfère préserver mon mariage avant toute chose. Partez. Encore fini? Chérie, je suis là, je réfléchis. Je ne me souviens pas encore de ma vie. Je peux demander à ta ménagère de m'apporter une tasse de thé, s'il te plaît. Non, elle est partie, elle n'est plus là. Comment ça, elle n'est plus là, souvent? Mais dis pas que tu as commis l'erreur de la dernière fois. Non, quand elle est dans ma maison, soit elle accepte d'être musulman, qu'elle est dans ma maison et s'habille exactement comme les musulmans s'habillent, soit elle part, elle a décidé de partir. Suzanne, tu sais ce que tu as fait la dernière fois? Tu sais, tu te rappelles plus, Suzanne, la dernière ménagère qui est partie. À peine la pauvre fille, tu l'as fait dormir sur la natte. Dessus quoi? Tu es venu couper ses cheveux. Découper tous ses cheveux, Suzanne. Est-ce que tu as besoin de rendre notre image, l'image de notre maison pathétique jusqu'à ce niveau? Suzanne. Je l'avais prévenu que si elle ne couvre pas ses cheveux comme une musulmane, je devais découper. Elle a voulu jouer avec moi. Elle ne m'a pas donné le choix. Suzanne, ta jalousie est en train d'excéder. Tu débats. Tu débordes derrière les noms, Suzanne. Tu débordes les noms, bébé. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. C'est pour préserver notre mariage, chérie. Je n'ai pas le choix. On dit souvent, tout homme est infidèle. Mais j'essaie à mon niveau, je ne dois pas amener la viande dans la bouche du loup. Ce n'est pas possible, chérie. Okay. Ne tirons pas plus long. Je pense que la prochaine ménage que tu dois trouver, il faut chercher un homme. Je pense qu'il faut que tu trouves un boy pour notre maison. Oh, c'est même une bonne idée. En parlant de boy, non, assieds-toi, chérie, s'il te plaît. Donne-moi le temps de l'appeler. On va voir ce que ça va donner. Oh. Oui, j'ai besoin d'un boy. Le plus tôt que possible, même si c'est demain, il vient, il commence le travail. C'est urgent. On va faire comme ça alors. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Merci. J'essaierai, ils vont renvoyer un j'espère boy qu'il faudra le faire. Très tôt le matin. Suzanne, j'espère qu'il faudra le faire. Parce que je veux que je te mets à parler. J'en ai vraiment déjà marre. On devait déjà passer à autre chose maintenant. Ça va aller, chérie. Je crois que ça va aller.
Mon chéri. D'accord, vas-y, alors tu vas me faire une tasse de thé. Je vais boire, ok? Ok, chérie. Ça marche. Suzanne, chérie, tu peux regarder celui qui a toqué à la porte? Oui, chérie. Je m'en vais regarder tout de suite. Maman! Suzanne, qu'est-ce? Suzanne, c'est qui? Chérie, ça a tout l'air d'être le nouveau ménager de la maison. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, patron. C'est qui, Suzanne? C'est le boy, chérie, que j'ai appelé au téléphone tout à l'heure pour qu'on m'envoie. C'est le monsieur qui a pris le téléphone devant moi l'autre jour? Oui, chérie. La société, j'ai appelé, ils nous ont envoyé le nouveau boy. Cet individu travaille dans une société? Non, chérie, la société recrute les boys et envoie aux familles qui ont besoin des boys. Et je trouve qu'ils ont vraiment envoyé le profil idéal, chérie. Regardez, je trouve qu'il a... Suzanne, bien travaillé à la maison. Je veux me faire comprendre que ce monsieur que je vois devant nous baraquer va venir travailler chez nous? Oui, chérie. Et la valise? Un gars, patron, le travail, un gars à tout faire à la maison, patron. Un gars à tout faire. Et la valise, c'est pas possible. Attends, c'est pas... Parce que dans mon contrat, il était question que je vienne vivre à la maison, patron. Tu as signé ce contrat, tu m'as pas tenu informé, Suzanne. Chérie, même la ménagère que j'ai chassée hier, il était question qu'elle vive avec nous, comme la précédente où j'avais découpé ses cheveux pendant qu'elle dormait, chérie. Vous avez dit que vous êtes quoi? Un homme à tout faire. Un homme à tout faire. Ça veut dire quoi, un homme à tout faire, Suzanne? Ça veut dire, chérie, il lave le sol, il accompagne les enfants à l'école, il cuisine dans le déjeuner, le dîner, le souper, il lave les habits de tout le monde, les enfants, tout. Suzanne, quand tu m'as connu à l'université, qui lavait les assiettes? C'était toi, chérie. Quand tu étais malade, qui lavait tes habits? C'était toi, chérie. Bon, dorénavant, je vais reprendre mon poste, ok? Mais la maison est grande, chérie. Tu ne peux pas tout faire à la maison. Et les habits qui m'a lavé? Bébé, je t'en fais la promesse, je vais le faire. Et tes habits qui m'a lavé? Je vais le faire. Et les habits des enfants? Je vais le faire, chérie. Et le sol? Ça, sois-en rassuré. Oh, pata. Ok? Voilà, tu as un bonbon qui peut s'en occuper, chérie. Le problème, c'est où? Mais patron. Monsieur, il n'y a pas de mec qui tient. Patron. Ok? Suzanne, chérie, on y va. D'accord, c'est bon. Non, chérie. On y va.